Bonjour à tous et bienvenue sur The Multi-Grid Gamer. Alors aujourd'hui nous avons spécialement une deuxième vidéo pour ce week-end. Et donc c'est pour votre plaisir. Et donc cette chaîne devient de plus en plus productive dans le sens donc de la fréquence des vidéos pour justement atteindre ce but de héros le plus rapidement possible et tout en vous proposant des gameplays de qualité. Et donc pour cette vidéo, nous sommes donc en compagnie de FCL. Bonjour à toi FCL. Bonjour à toi DNL, bonjour à tous. Et bonjour à ceux qui nous suivent encore maintenant et ceux qui viennent nous découvrir sur cette chaîne. Et donc je vous encourage justement à retourner sur les autres vidéos précédentes et à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez les vidéos. Alors c'est fini avec donc la parolotte, on va directement pour ce combat. FCL, tu nous proposes encore un bon gameplay avec Shio. Ouais, j'ai décidé de changer et prendre un autre marionnettiste qui est Shio, notre vieille que nous adorons tous. Eh oui, et donc en soutien, donc tu as Sasori ainsi que, j'ai pas bien vu le deuxième, c'était bien, oui, Kankuro. Et donc c'est une équipe de Maître Pantin et tu joues donc contre une équipe qui est Bi ainsi que A, le Raikage. Ouais, tout à fait, j'ai de la chance de tomber sur une équipe, une team fair play. Donc ça va, j'espère que ce combat va... Allez, vous allez apprécier ce combat. Et donc c'est parti directement. Oh là là, directement, on voit bien que l'adversaire ne l'amine pas, il attaque directement. Tout à fait, l'adversaire là a fait un coup de PGM. Et une première spéciale qui passe donc. Alors, était-ce un coup de chance ou un skill de la part de l'adversaire? Nous allons le voir tout de suite. On voit qu'il essaie une deuxième fois. Un peu de tout, douteux quand même comme adversaire. Attention, on voit bien que tu enchaînes au corps à corps. Le combo qui passe. Ça, c'est le combo du bas, très pratique. Même quand l'adversaire substitue, ben, j'ai remarqué que ce combo fait en sorte que les deux marionnettes pourchassent quand même le personnage adverse qui substitue. Merci pour le conseil FCL. Et donc encore une spéciale qui ne passe pas. Le combo corps à corps, on comprend pas grand chose avec les marionnettes qui s'enchaînent. Attention, on voit bien le jutsu donc de Shio qui passe. Quelques coups d'œil, encore la spéciale dans le vent. On se demande ce qu'il fait l'adversaire en face. Je sais pas, je crois qu'il a fumé, je sais pas. Ah là là, la chope qui passe justement, le Raikage qui passe à côté. Bien, bonne prise en tout cas. En tout cas, toujours aussi surprenant tes prises. Ouais, toujours. Les marionnettistes, l'avantage c'est faire des prises à 10 mètres. Si on sait faire des prises dans le dos, c'est sûr qu'on les placera tout le temps. Même si le mec en face a 4 permutes. On y retourne encore du combo. On voit que en face on sait pas trop quoi faire. Puis est complètement, on va dire, à la ramasse. On comprend bien qu'il essaie encore des spéciales. En mon avis, il y a un manque de niveau. Hein. On le voit clairement. Ne nous cachons pas là. Ouais, bah, au début, il avait réussi à placer la spéciale. J'ai cru que c'était anticipé, mais en fait, non. Il a fait ça au pif. Il fait que ça au pif. Et c'est dommage hein, parce que je suis un marionnettiste. Au contraire, il devrait plus m'attaquer au corps à corps que faire des singeries au fond de la carte. Ah là là, mais bon, on l'encourage à s'améliorer évidemment. C'est pour ça qu'on propose justement des gameplays avec des adversaires de tout niveau. Peu importe, on tient compte uniquement de leur connexion pour éviter justement ces quelques lags que vous avez pu voir de temps en temps de chargement. Voilà, un exemple. Et donc c'est parti, retour au combat. Donc avec Shio qui enchaîne encore au corps à corps, qui laisse pas le temps et qui passe en dessous de Shio qui esquive très très bien. Attention, encore la spéciale, il essaye. Le combat va se terminer à mon avis, n'est-ce pas FCL? Ouais, le pauvre, je lui ai mis la sauce au niveau. Et la chope pour terminer le combat. En tout cas, bon voilà. Pour ce combat-ci, mais voilà, on pensait qu'on avait un adversaire de taille. C'était pas le cas. On l'encourage en tout cas d'être à la hauteur pour la prochaine fois. Je m'en fais pas pour lui. Et c'est une victoire donc. Quoique, pas de taille, pas de taille. On sait pas vraiment, peut-être qu'il est fort. Si j'aurais pris par exemple un personnage comme Kakashi ou bien Guy, peut-être qu'il m'aurait battu facilement. Tout à fait. Je sais pas, j'ai l'impression que lui, il s'est battu contre très très peu de marionnettistes. Parce que franchement, il savait pas quoi faire, voilà, bien sûr. Juste ça. Alors, deuxième combat. C'est parti avec la musique d'ambiance. J'espère que vous apprécierez donc l'occasion parce que c'est un combat de qualité. Attention, DNL est en mode Dragon Ball, mec. Attention, je peux vous le dire, sur ce combat, je venais d'enchaîner sur quelques défaites aux précédentes vidéos et croyez-moi, c'est pas que j'aime perdre, non. Mais je voulais jouer très sérieusement et croyez-moi, Deidara, même contre un perso, on va dire, un joueur de qualité, croyez-moi, le gameplay de Deidara, et on dirait que c'est du spam. Mais non, c'est tout simplement du skill parce que Deidara, je peux vous le dire, j'arrive à jouer contre lui plutôt facilement parce que c'est du spam tout simplement. Mais là, vous verrez, il y aura très peu de spam, tout sera calculé. Et donc je vous laisse voir et apprécier ce combat. En face, c'est une phase ultime, parce qu'il y a Sasuke, l'homme masqué,
accompagné de Gaara. On voit que l'adversaire ne rigole pas. Et donc c'est parti directement à Kidan, bien placé. Encore, je trouve que t'as été gentil parce que le soutien que t'as pris avec Deidara, c'est pas le meilleur soutien. Un petit conseil, si vous voulez jouer Deidara de façon sadique, vous prenez Deidara soutien Tsuchikage et l'autre, vous prenez Kurutsuchi. Ouais, Kuru, ça fait comme ça. Et parce que ces deux-là, je vous assure qu'avec Deidara, c'est surpuissant. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, ça fait donc l'équipe du village. Donc, Les natifs de la roche. Voilà. Mais pourquoi c'est surpuissant? Parce que Tsuchikage et l'autre, Kurutsuchi, ces deux-là, c'est des soutiens qui font distance et corps à corps. Alors on retourne directement sur le combat, on voit que c'est bien entamé déjà. Alors on voit que Deidara, je suis vraiment très très mal en point. L'adversaire joue très très, très bien le coup. Alors c'est parti directement avec quelques combos corps à corps étonnant de ma part. Avec les combos carrés qui passent bien. Alors rejet bien joué de la part de Sasuke. Encore un autre jet. Et Pain qui est placé dans le vent. On voit que Sasuke a l'habitude de jouer justement contre les Deidara. Ouais, tout à fait, il a compris que le carré c'est comme pour contre les marionnettes, c'est efficace. Voilà, il place Gaara pour immobiliser et pour placer sa spéciale qui ne passe pas. On voit que les oiseaux sont utilisés de ma part avec Deidara pour essayer d'embêter au maximum. Oh là là, la spéciale qui passe pas. C'est un pass. Eh oui, tout à fait. Encore quelques oiseaux pour, on va dire, embêter Sasuke en face. Il fait mouche. Le pauvre, il voit de l'argile partout. Tout à fait. Et donc, l'homme masqué qui immobilise Deidara. Benton qui passe pas esquivé, donc. Ah là là, il a bien esquivé de la part de Sasuke. Mais faut dire aussi, c'est la faute de Sasuke s'il galère autant, parce que au lieu d'attaquer, il fuit. Et alors, oui. C'est tout bénef pour DNL. Tout à fait. C'est qui me permet de me remettre tout doucement en jambes. C'est parti avec ce combo au carré qui passe très très bien, comme vous pouvez le voir. Alors Sasuke a compris qu'il fallait enfin venir au corps à corps, car il a perdu l'avantage dès qu'il a décidé de jouer au fond de la carte. Ouais. Et donc on est reparti au corps à corps avec Idan, toujours aussi pratique, qui casse le rythme de l'adversaire, selon les conseils bien sûr que j'ai pu lire sur la chaîne. Et oui, je lis vos conseils qui sont tout aussi utiles. Et donc, alors j'essaye de faire une feinte pour passer en mode éveil. Corps à corps, je joue encore une fois de plus. Vous voyez bien que Pain passe cette fois-ci substitué. Si on s'observe encore un peu, FCL, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est... Mais mec, même si vous vous observez, tu gères quand même parce que tu bouges, tu utilises bien l'espace. Pas comme le Sasuke qui ne fait que reculer. Et donc à mon avis, vu comme c'est parti, ça va jouer autant, n'est-ce pas? Alors j'essaye d'enchaîner pour essayer d'en finir une bonne fois pour toutes. On voit bien que l'adversaire essaye vraiment de faire son mieux, mais il a fait substitution. On voit l'erreur directement. Attention. Encore, il place dans le vent. Il fait trop confiance à Gaara, si vous voulez mon avis. Et donc ça le coûte extrêmement cher, n'est-ce pas, FCL? Ouais, bah ouais. À chaque fois qu'il a passé Gaara, bah il s'est ramassé une permute en moins et de la vie. Et voilà, et donc le combat se termine tout doucement sur cette spéciale de désespoir. J'espère que ça vous aura plu, ces gameplays. Il y en a très peu de gameplays avec Deidara. Et donc, on vous le propose sur cette chaîne. J'espère que vous avez apprécié. Ce n'est pas terminé, attention. N'oubliez pas que nous avons une troisième vidéo. Et donc, ne quittez pas tout de suite, ça sera une vidéo. Mais alors là, vraiment... Vraiment Epicness de chez Epicness, n'est-ce pas FCL? Ouais, franchement, ce combat était épique, épique. Alors c'est parti avec la musique d'ambiance. Appréciez s'il vous plaît. Et donc c'est Kankuro en jeu avec l'équipe, on va dire fraternelle, du Pays du Sable. C'est le petit Kankuro. Et donc on va jouer contre... À votre avis? C'est FCL aux manettes, bien sûr, notons-le. Contre, à votre avis? Allez, petit suspense, hein. À votre avis? Le perso le plus redouté du online, avec l'équipe la plus redoutée du online, à votre avis? Attention, contre qui FCL va-t-il jouer? Quel perso cheaté? Purée, même l'adversaire fait du suspense en choisissant la carte, c'est quoi ça? Réputation, il est vraiment cheaté, je le répète. Et c'était...
Tenten. Tenten. Eh, c'est notre magnifique petite Tenten. Attention, regardez bien l'équipe avec Pain en soutien, bien sûr. Et Gaara. La Dream Team. La Dream Team, une vraie team. Avec ça, franchement, si quelqu'un perd avec ça, c'est la honte. Alors, c'est parti directement. On va vous le commenter avec grande précision. Attention, c'est parti. On observe le combat. La Shop qui passe très très bien. Après un superbe combo. Et oui, on voit qu'il fait confiance à ses soutiens, surtout Blast Pain. Attention. Oh là, le Jutsu qui passe le premier. Attention, bien utilisé. Bien utilisé ça, le vent dans le côté. Ouais, lâcher la garde. Hein. Et j'enchaîne avec du combo. Corps à corps. Peut-être qui approche, qui s'énerve. On va encore son Jutsu. Premier Jutsu. Attention, Gaara qui est placé. On voit bien que Gaara a du mal. J'esquive la prise. Très très bien joué. J'enchaîne avec un Akiné. Excellent. Et j'enchaîne avec un Jutsu qui se le prend. Eh oui, on va au corps à corps. Corps à corps. Enchaînement corps à corps. Attention. Toujours, bam. Oh là là, Tenten qui essaie de faire du corps à corps. Oh, c'est beau. Ça va être jusqu'au bout puisqu'il a plus de substitution. Attention. Et là, le mode, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de tête. Attention, ça va spammer sévère, attentible, s'abstenir. C'est parti donc, avec quelques jutsu, on peut le voir. Attention, elle essaie de faire une patte, Tenten en face. Encore le jutsu. Attention, regarde bien la barre de FCL qui se vide, mais elle l'allume. Et donc, observez bien la tactique adverse. Et à la fin, j'ai compris comment le bloquer, vous allez voir. Et donc, on place encore quelques jutsu de la part de Tenten qui ne rigole pas. Il suffit juste de se protéger. Et elle perd le mode. Très bien joué en tout cas. Protection au fond de la carte pour esquiver de temps en temps. C'est bien joué ça. Ouais. Donc, pour ceux qui vraiment galèrent, parce que oui, ou galèrent aussi contre Tenten, eh bien, jouez bien l'esquive au fond de la carte si possible. Et n'hésitez surtout pas à utiliser vos soutiens pour l'éloigner. Comme vous voulez, vous venez de le voir, Anita Mai, n'est-ce pas? Ouais, en fait, quand vous êtes un Mario 10, mieux vaut jouer sur sa défense. Mais quand vous êtes un perso comme les autres, mieux vaut tuer le corps à corps. Et donc, on revient sur le combat, excuse-moi de t'interrompre, avec Temari qui balance donc son jutsu du vent. Et donc, on va la suite. Tenten qui essaye de placer, on voit la chope, enfin la bombe, enfin, on va dire la bombe, jutsu qui, la bombe qui passe pas tout simplement. Attention, le combat est très nerveux, Tenten ne veut pas lâcher l'affaire. Oh là là, et Gaara qui termine ce combat. J'espère que vous l'aurez apprécié cette vidéo et surtout ce combat. C'est donc une victoire, n'est-ce pas, FCL? Ouais, en plus une belle victoire. Et on va vous quitter donc sur cette belle vidéo. Et j'espère que les trois vidéos vous auront plu dans l'ensemble. Et on se quitte donc avec la fin du théâtre des pantins. Okay. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien une fois de plus. N'oubliez pas de jouer. Et surtout, à bientôt. À plus.